Allô, bonjour. Eh ben. So the director, whose brother is Hiss, just happens to find the secret Hiss entrance and close it. How convenient. Là, si t'as un truc à reprocher, tu me le dis direct. Ok. Oui, du coup, dernière ligne droite. Second et dernier DLC. Je vais remettre la vidéo qui était apparue justement dans ce couloir là. Qui était un peu l'intro du DLC. Histoire de se la remettre en tête. Darkness engulfed the elevator. There was something there. A presence. Jesse Faden could hear it. A call. It was faint, reaching for her from a dark place. Faden was sensitive to visitations. She had them all the time. From her guiding star and the previous director. She was the perfect receiver. As if she'd been made for this. Faden paused to feel it. The force at play here. It was changing things around her, subtle, trying to make her act. Faden didn't like that. Her guide felt it too. Polaris didn't flare up in defense as with the Hiss. So it wasn't all bad. Not a hostile transmission. It was powerful, but it was coming from far away. And made weak because of the distance. It was a distress call. Faden sensed a drowning man. A man desperate to escape. She sensed something else too. A hunger in the dark. Not unlike the hostile resonance. Waiting. She knew that desperate acts can have grim consequences. It was this, more than the man's despair, that made her follow the call. The elevator lights winked back on. The darkness receded like a memory. There was a new button on the elevator control panel. Investigation sector. Faden pressed the button. The elevator door slid shut with practice bravado. Nice. Ça fait plaisir de le revoir, même si du coup il a son... ses fringues du 1 et pas du 2. Bon, bien, let's go. Secteur des enquêtes. Je pensais que ça allait commencer direct dans le noir. Ah ben... Alors c'est bizarre, pour une fois il y a une date en haut.
Ouais, d'habitude, il n'y a pas de date. Donc ça doit être important, mais il n'y a pas la date complète. Par contre, Kirkland. Kirkland, je sais pas qui c'est. Seems a lot more crowded than the rest of the bureau. T'as raison qu'il y a les points comme ça là, sinon je verrais pas les objets. Aperçu mais non acquis. Ça veut dire qu'on va combattre un tracteur. Comme dans Alan Wake d'ailleurs. Ok, donc Kirkland c'était le... le responsable des enquêtes du bureau. Donc en fait, les... si l'étage n'était plus disponible, c'est parce qu'il a été caché, j'imagine. Du coup, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... Il y a beaucoup de documents. Ok, apparemment ils ont fait des expériences sur quelque chose, une entité. Enfin, ils ont. Darling A. Ah oui, donc on va avoir plus d'infos sur chaque personnage, j'imagine. Ok. Intéressant. Est-ce qu'il y a un plan? Ah oui, oula, c'est grand. Ah oui, donc toute la... Tout le département est séparé de l'entrée par un coupe-feu, donc il a dû se passer des embrouilles. Ah, nouvelle de Cold War Lake.
pas beaucoup de nouvelles du coup de Cauldron Lake. It's not working. Probably a loose power core somewhere. C'est quoi ce symbole? Ça me dit quelque chose? C'est pas un truc de la NASA? Ça ressemble. Ah, mais peut-être que le sujet dont parlait l'autre enquête, c'était Dylan Faden en fait. Mais pourtant, c'est pas vraiment une entité. Enfin, c'est un humain quoi. Ah, ou peut-être l'entité qui est dans le gros générateur là. Enfin, la centrale. Oui, d'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais Jesse et Dylan sont P6 et P7. Ça sous-entend qu'il y en avait 5 avant déjà, au moins. Voir si s'il y a eu un P0.
Il y a un casque de spationaute. Il y a tellement de documents. Ok, ouais, donc ça confirme ce qu'on avait pu deviner quand on lui annonce que Darling est introuvable. Je vois. Ouais, du coup, c'est un peu l'occasion de rajouter des documents sur plein de persos pour donner un peu de lore. En plus. Ah, aspect obscur. Ouais, donc comme j'avais supposé. Les matériaux qui me manquent, c'est ceux qu'on trouve dans ce DLC là. L'enquête était incomplète. Donc Walker Clone, c'était un spationaute. Oula. C'est marrant parce que Trench, nous, on en a une vision très calme, slash torturée, slash ouais, un peu désabusée. Mais visiblement, il était. Il avait des accès de colère et tout, quoi. Bon, je crois que j'ai tout vu. That gate should open. Mais attends, mais du coup ça alimente quoi? Ah. Ah oui, ce truc, mais il marchait plus. Ok, attends, ça veut dire que le spécimen, ça serait Alan Wake? Parce que. Bon, ils ont censuré son nom, mais Alice, c'était le nom de la femme d'Alan Wake. Pénétrer dans le secteur dans le cadre d'une enquête sans lien.
Une enquête sans lien, ouais, donc ça veut dire que le spécimen, c'est sûrement pas Alan Wake. Ils l'ont fait venir, elle, pour l'interroger sur l'enquête sur Alan Wake. Mais sa venue a potentiellement permis l'évasion d'un truc. Sachant que la mise en garde de Trench disait qu'ils avaient gardé dans leur département un truc qui devait pas être là. On va retourner dans l'hôtel. I'm no detective, but something definitely happened here. Ah oui, Blessed Pictures. Ok, ouais, donc ils vont continuer de fouiller, de creuser ce filon. Ok, c'est vrai que le FBC se bat contre genre des entités, enfin ils enquêtent et tout. Mais il n'y a pas forcément de. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas forcément d'antagoniste humain, quoi. Et c'est en vrai, c'est cohérent que si une organisation comme ça existait, il y aurait sûrement des gens en face. Qui déjà d'une réunirait des preuves sur son existence et deux essaierait de je sais pas, déstabiliser ou foutre la merde. Des paracriminels. Bon, retour à l'hôtel, je sens que ça va être spécial. Do we know each other? I feel this feels familiar. I can't seem to. I've forgotten it. I'm sorry. My name is Alan Wake. Friend Tom. Tom Zane. There's nothing to worry about. Tom. The poet. The diver, you look different. That was just a role. A character. The protagonist I played in my old film. I'm a filmmaker. An auteur like yourself. We're working on this together, remember? An artistic collaboration. You need a drink. Darkness. Nothing holds still. But we're very close now.
You've been writing. I found a way to escape. It'll work this time. Writing? You found a way! No! I don't... Wait. There's something. It's my double. He's out there. I've seen him. Yeah. Nothing to worry about. I'm dealing with it. It's fine, my friend. Let me handle him. You've met him? What the hell? Now, come on. You misunderstand me. Trop stylé. That was Alan Wake, the writer who went missing in that AWE case I read about. What's he doing here? Ok, bon, du coup, il y avait un document qui parlait... Thomas Zane was with him. The poet. No, wait. He was a filmmaker. I always remember that wrong. Dans mes souvenirs, c'était un écrivain, Thomas Zane, non? Donc oui, il y avait un des documents qui parlait justement du fait que... Enfin, du lien entre Alan Wake et le truc avec le tourbillon. Donc c'est bien là qu'il se trouve. Donc je pense que là derrière, en fait, c'est les abysses, enfin là où est coincé Alan Wake. Du coup, j'avais complètement oublié Mr. Scratch. On va potentiellement revoir, je sais pas. Et la cutscene était incroyable. Genre vraiment, je sais pas si sur le jeu principal, il s'était volontairement un peu bridé ou pas, mais là, ça donne vraiment l'impression, on leur a dit, allez, faites ce que vous voulez. Et genre, t'as des modèles 3D, de la FMV en surimpression, des trucs corrompus, des mouvements chelous, enfin bref, trop bien. L'hôtel est beaucoup moins accueillant que les dernières fois. Et pas ouf l'ambiance. Je sais pas ce que je dois faire, j'ai peur que ça me transporte, je sais pas. Ok. Ah oui, d'accord, faut arrêter tous les... Celui-là fait pas de bruit blanc, je vais peut-être le laisser là. Ah bah non. Ah, ça change la couleur de l'extérieur. Ok. À chaque fois, je m'attends à des trucs un peu plus... un peu plus dur niveau énigme. Mais après... Ah d'ailleurs on n'est jamais allé dans le casino. Je pensais qu'on allait y aller un moment ou un autre dans le jeu. D'ailleurs... Dr. Emile Hartman, devoured by hungry darkness, became the thing that had been Hartman. Broke loose, killed everyone it could. Lurking, roaming, waiting. Then something else came. A resonance. The thing that had been Hartman went through another change.
J'allais donc dire. D'ailleurs, l'hôtel en lui-même est pas tant utilisé que ça. J'aime bien l'idée d'une zone entre les zones. Mais au final, on l'a surtout utilisé comme un couloir en fait. Plus que j'aurais bien aimé qu'on rencontre quelqu'un là-bas, potentiellement Hattie, même si c'est un peu le cas. Enfin, on l'a suivi à travers le truc. Mais ça aurait été bien qu'on ait plus de trucs là-bas. Dr. Emil Hartman was desperate. The Federal Bureau of Control had stolen his life's work. This was his last chance, his final experiment. What he'd been too scared to do before. Hartman dove into the lake, was taken, devoured by hungry darkness, became the thing that had been Hartman. Only an echo of him remained. Fragmented impulses on autoplay. Violent, bloodthirsty darkness in the driver's seat. Emerging from the lake, the thing was captured by the FPC. Brought in, contained, studied. The thing broke loose, killed everyone it could. The FPC fell back and sealed the sector. The thing was alone in the dark, lurking, roaming, waiting. Then something else came. Not darkness, but similar enough. A sound. A resonance. It shouldn't be a surprise. If there's one, why not another? The darkness inside the thing could have been immune, could have resisted, fought, could have been passed by, passed through with no effect. But it didn't, and it wasn't. Maybe it had grown weaker over time, not aged. It was timeless. But weaker with no link to its source. A metamorphosis followed. The thing that had been Hartman went through another change. Ok, donc ça, je suppose que ça présente l'antagoniste du DLC. Donc Hartman, c'était le psy dans Alan Wake, qui tenait la clinique, qui était un peu chelou, qui finalement s'est fait bouffer par les ténèbres là. Je me souviens plus. Oui, c'était un peu un psy véreux. Profitait des. Genre spécialisé dans les artistes et en gros ils piquaient leur travail sous couvert de thérapie. Et donc si j'ai bien compris c'est lui qui a été repêché et confiné ici. C'est lui qui s'est échappé quand Alice Wake a visité l'endroit. Et je sais plus ce que je... Ah oui, et il a plus ou moins rencontré le Is, je pense. Quand ils disent une résonance machin, je pense que c'est le Hiss. Et donc il a encore plus été transformé. Ah oui, c'est ça, il y avait un document qui parlait de deux cercles qui se croisent et un point au milieu. Ok, et donc là je vais arriver où de l'autre côté? Ah oui, non, la porte sera ouverte. Très bien. J'espère que je choperai assez de trucs pour finir ça. Ah bon, coupe-feu, il y a un problème. Heureusement, je peux. Oula! Ah non, mais pas ici. Normalement, c'est impossible, non? Genre cet endroit, enfin cet espace-là, il est précisément conçu pour ne pas. Ah bah de toute façon il faut que j'aille à l'autre bout. Pour justement stopper les infections, enfin les intrusions, ce genre de choses. Bon après,
Visiblement, il y a eu un accident, un incident, donc... Déjà qu'ils aient réussi à fermer la porte avant que le truc passe, c'est plutôt bien. Damp and abandoned. Why did Wake want me to come here? Okay. Je suis pas sûr d'être très à l'aise avec cette nouveauté, à savoir les ennemis qui sont déjà là et pas qui apparaissent avec un grand flash rouge. Mon curseur était rouge pendant une demi-seconde. Ah oui, non, c'est l'extincteur. Ça veut dire que je peux me faire attaquer n'importe où. Faut que je fasse attention. Surtout qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans le jeu. Enfin, de zones d'ombre littérales, quoi. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une poubelle qui se dédouble. Oh waouh. Choper la lumière bleue. Mais j'arrive pas à choper les effets que je veux. Je vais faire une photo. Ouais, non. Allez, on va se satisfaire de celle-là. Ah oui, le phénomène se forme que quand je m'approche. C'est pas bon signe. Alors du coup, est-ce qu'il peut y avoir des ennemis? Sans doute. Immobile, genre derrière une porte, quoi.
Si je touche les objets qui se dédoublent, il se passe quoi? That doesn't look like a house shift. Do I even want to know? Wow, c'est trop trop bien. Oh, ok. Le DLC amène une nouvelle arme. Tire des munitions adhésives qui explosent sur déclenchement manuel ou au bout d'un certain temps. Ok. Nice. Du coup, j'imagine qu'il y aura les mods qui vont avec. On verra. Alors du coup, le point de contrôle a pas du tout stabilisé ça. 100%, il va y avoir un truc dedans. Il y a un mec dans un coin, c'est obligé, non? Non. Je suis déçu du coup. Je pense que j'ai vraiment sous-estimé la charge. Enfin, le bouclier, c'est pas un truc que j'utilise souvent, mais si j'avais maintenu la difficulté plus élevée, j'aurais peut-être été forcé d'apprendre à l'utiliser. Mais en vrai, c'est fort et c'est assez marrant. Mais le problème, c'est que j'aime pas le fait que ça défonce trop l'environnement. Après, derrière, pour fouiller, je suis perdu parce que tout est détruit. Putain, l'endroit a pas mal shifté quand même. Whoa.
Looks like the house has gotten a little wild in here. Ah oui, donc Rudolph, bon, les deux frères Anderson, là on se rappelle. Rudolph, Wendy, Thomas, ça doit être les autres patients qu'on croise dans sa clinique. Je me souviens plus exactement ce qu'ils disent, mais il me semble qu'il y en a un qui disait de la merde. Là, c'est potentiellement la première fois où tu peux te rendre compte que ces trucs-là sont destructibles. J'aurais eu le seum si je m'en étais rendu compte que maintenant, parce que... Déjà, en m'en rendant compte à peu près au milieu, j'avais le seum parce que j'avais l'impression d'en avoir raté plein. Là, ça aurait été encore pire. Ça, j'ai déjà fouillé. Ici aussi, je crois. Comme d'hab, toujours peur de rater des trucs. Ça a l'air ok. Donc, soit par là. Soit par là, ça a l'air quand même praticable, mais je sais pas. Au moins, quoi. Ah oui, non, je pense pas qu'on puisse passer. Nope. Oula. Ah, c'est le... Il faut une lampe torche. This... Darkness is blocking the door, so now I have to deal with an interdimensional noise and sentient shadows. Ça aurait été bien qu'on débloque une fonction de l'arme pour faire lampe torche, justement. Parce que flemme d'aller chercher des trucs à chaque fois là. L'ambiance de cette salle. Et merde, pas le bon. Light burns it away, huh? Makes sense. Ok, il va y en avoir partout, ça veut dire qu'il faut se trimballer avec ça tout le temps. Ah non, c'était juste du sang. Oula. C'est moi ou il y a la même ambiance que dans Alan Wake quand on se fait attaquer? Et où? Ouais, soit il est là depuis longtemps, soit... ouais, le temps est un peu particulier. Ah.
de la mousse. Là, il y a tout qui se mélange maintenant. J'aime pas ce bruit. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais... Ah non, est-ce que ça va faire comme la dernière fois? Genre dès que je vais ramasser le coffre, il va y avoir plein de saloperies qui vont apparaître. Non. Bon, j'espérais que ça réduise la mousse du coup, mais non. Ennemi, pas ennemi. Pas ennemi a priori. Des égouts, quel plaisir. Enfin non, c'est pas des égouts, des tuyaux, je sais pas. Ça a quoi comme fonction ces trucs? Ah mais c'est des ventilations. On peut pas l'améliorer, ou alors il faut d'autres... D'autres... Ah mais ça y est, maintenant je peux forger ces trucs là, mais pour le moment je vais garder mes ressources. Soit il n'y a pas d'amélioration, soit l'amélioration demande des composants que j'ai pas encore. Ouais, si, je pense qu'il y a des améliorations. Précision, coût des munitions, lévitation. Ouais, bon. Pas grand chose d'adapté. On va mettre ça parce que je lévite souvent, mais bon, ça dépend des pièces. Je vais la tester, mais bon, comme d'hab, ça m'étonnerait que je l'utilise. Plusieurs. Ah oui. Nice. Alors je suppose qu'il y a des ennemis qui vont demander cette mécanique là, je sais pas. On verra. Pour le moment je vais repasser sur celle-ci. Ah, il y a une lampe là, donc je pense qu'on va en avoir besoin. Je vais faire une mini pause et je reviens. Je
suis même pas encore arrivé au truc central. Putain, ça a l'air grand en fait. Ok. Du coup, je pense que je devrais prendre la lampe torche avec moi, non? Ah. Je peux pas lui parler. Surveiller 24 annexes avec ça. Ah, peut-être il lui faut la lumière. Je vais essayer. There you go. Doesn't that feel better? Nice. Ok, donc je suppose que ça va être les l'équivalent des mannequins échos du DLC d'avant. Alors par contre, ouais, c'est pas impossible que j'en ai raté avant, mais bon. Je sais que celle-là, c'est la première que j'ai trouvée. La zone avant est pas très grande, donc je pourrais toujours refouiller plus tard. Sound made darker, the darkness made louder. Hartman was stretched, like a worm through time. The third thing was a monster. Now we crashed out of darkness toward Faden. Resonance carves its way through the thing that had been Hartman, vibrating, remolding. The sound changes the darkness, and the darkness changes the sound. They both changed what remained of Hartman. They all turned into something else. A third thing. The sound made darker. The darkness made louder. Hartman was stretched. Stretched as anyone when seen from out of time, like a worm through time. Almost an Ouroboros, a spiral, a maelstrom. The gravity well of a black hole, twisting inward, tightening, taking you deeper and deeper to the bottom, the heart, and through to the other side. The third thing said, when you hear this, you will know you're a new you. He said, we build you till nothing remains. He said, under the conceptual reality, behind this reality, you must want these ways to drag you away. He said, baby, 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 yeah, orange peel. The third thing was a monster. He'd tear apart any ordinary person crossing his path. Now he crashed out of darkness toward Faden. There was nothing ordinary about Faden. Rien de bon. Peut-être prendre le truc, la lampe avec moi. Ok, donc le but, ça va être d'amener un truc là. Les plantes ont besoin de... Bon, celle-là a pas l'air en mauvaise santé. De toutes les façons où le truc pouvait tomber, il est tombé de la pire façon. Encore. Ça, je peux le voir de loin.
Reminder, all employees are required to report their hours at the end of each month. The Federal Bureau of Control maintains that time is not subjective, and hours passed on alternative planes cannot be claimed. Astral dives do not accumulate overtime compensation. Thank you for your attention. Quelle arnaque. À ce moment-là, ça veut dire que dès qu'il y a un shift ou dès qu'on se retrouve dans un plan où le temps se déroule différemment, on arrête de bosser en fait. Moi, je bosse pas gratuitement. Hein. Démission de Hattie. Ah bah du coup il y en a une que j'ai déjà faite. Ok. Bon, j'essaie de les faire au fur et à mesure, j'imagine que... Ouais, c'est un peu partout, quoi. Bon, on verra, j'essaierai de les trouver petit à petit, et puis si jamais... Si jamais à la fin il m'en manque, je reviendrai en arrière, quoi. Comme d'hab. C'est étrange qu'il n'y ait pas d'ennemis dans une si grande zone. Normalement, dès que je dis ça, il y a des ennemis qui arrivent. Ah bah c'était peut-être bien le logo de la NASA. Thank you.
specialized surveillance methods are as follows. Fiber optic cameras slid under the individual room doors, motion detectors in the lobby area. Tripwire triggering a flash camera across the main entrance, even fingerprint powder on the front desk. Results are varying at best. But mostly just inconclusive and unusable. The footage is corrupted. Sometimes even the equipment is damaged. I don't know how, exactly. I think this place is making fun of me. That's the only explanation. I can hear them laughing and screaming behind the closed doors. I could hear the call bell going ding multiple times a day, but when I look, there's no one there. I know I'm supposed to stay out of sight, but I've seen the doors closing just before I can catch even a glimpse of anyone or anything. They're messing with me, whoever they are. I think, wait, shh. There's something. I gotta get the cable out. Come on, you fiber optic fuck, cooperate. Okay, there we go. Alright, that was faint, but I definitely heard movement coming from all the way. I think I might have finally caught one. Ha! The recording better work this time, or I swear to God, I'm... What? Hello? Who's there? Oh, shit. I'm with the FBC! Move away from the door! I have a... Where's my... L'enregistrement est fini. Ok. Ah putain, il était pas fini. Je viens de mettre stop là. Nick. Je veux savoir la fin. Il dure très longtemps, non? Ouais, 1:46. Utilized surveillance methods are as follows. On peut pas accélérer en plus. Slid under the individual room doors, motion detectors in the lobby area. Tripwire triggering a flash camera across the main entrance, even fingerprint powder on the front desk. Results are varying at best. But mostly just. Putain, ça se trouve, j'ai vraiment coupé au dernier moment juste avant qu'il se passe un truc. Sometimes even the equipment is damaged. I don't know how exactly. I think this place is making fun of me. That's the only explanation. I can hear them laughing and screaming behind the closed doors. I can hear the call bell going ding multiple times a day, but when I look, there's no one there. I know I'm supposed to stay out of sight, but I've seen the doors closing just before I can catch even a glimpse of anyone or anything. They're messing with me, whoever they are. I think... Wait, shh. There's something. I gotta get this. Gotta get the cable out. Come on, you fiber optic fuck, cooperate! Okay, there we go. Alright, that was faint, but I definitely heard movement coming from the hallway. I think I might have finally caught one. Ha! The recording better work this time, or I swear to God I'll... What? Hello? Who's there? Oh, shit. I'm with the FBC. Move away from the door. I have a... Where's my... Bon, bah non, en fait. Y'a rien d'autre. Je sais pas si c'est la même map qui était dans le bureau de sécurité. Il y a des trajets d'avion. Je
Les villes marquées, c'est quoi? C'est les capitales de chaque état, non? Je sais pas, je connais pas mes... Je connais pas mes états. Et il y a des endroits où il y a des camions, des bateaux et des avions. C'est pas clair. C'est quoi ça? C'est l'Alaska? C'est pas censé être en haut, non? Vous avez peut-être pas de place. Bizarre. Ok, donc ça c'est d'où je viens. Là-bas il y a le truc que je dois alimenter. Ça je peux pas les casser. Et là où je peux aller encore. J'essaie de garder la lampe avec moi tout le temps, même si c'est un peu chiant. Au cas où je croise une plante ou de l'obscurité. Juste ça. Ah. Ok, donc il faut soit un autre cube, soit que je trouve un moyen d'amener celui-là. Ah oui, en ouvrant ça, je pourrais passer de l'autre côté. Ouais, donc le EAM35, si je dis pas de bêtises, c'est le... Bah, grosso modo, les événements du jeu Alan Wake. Le truc à Bright Falls et tout. Attends, je sais pas si je peux vérifier. Me semble qu'il y avait un truc qui parlait de Bright Falls. Il y a beaucoup de documents, mine de rien. Ah, Bright Falls. Ouais, c'est ça. EM35. My understanding of the darkness is fragmented, incomplete. This abyss, this void, it very much does not wish to be understood. If light symbolizes knowledge, then it stands to reason that darkness would equate to ignorance. By its very nature, it abhors comprehension. Of course, my own nature drives me to comprehend all. We are opposing forces, destined to collide. And given this conflict of natures, we know that the light of truth will burn away the darkness, both figuratively and literally. Any significant light source can be used as protection, even weaponry against this metaphysical gloom. And then there are the artists. I know for a fact that Tom, Wake, the Anderson brothers, and Lane all had some involvement with the darkness. The question is whether their uncanny ability to affect reality through their art beckons the darkness, or did their work perhaps even
created. With Wake now secure in my lodge, I expect I shall grow closer to learning the answers to these questions. Assuming he cooperates, which is proving quite the challenge. Well, perseverance is the foundation of knowledge. Speaking of, I must be off on my rounds. Ok. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il continue les enregistrements. Je sais pas si c'est un dialogue qui date de avant les événements de Bright Falls ou pas. Je comprends pas trop l'intérêt du puzzle, sachant que la porte là elle reste ouverte, mais ok. Pas d'achat vers le bas. Avec la lampe, je pensais pas que tout allait s'allumer à un moment. Ok, ok. J'aimerais bien un point de sauvegarde. Est-ce qu'il faut que je m'arrête? Nice, et ben parfait. Parfait, parfait. Je vais m'arrêter là du coup. Bon, pour le moment on n'a pas trop vu grand chose. Quoique en vrai on a vu quand même quelques trucs. Il y a beaucoup de documents. Moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça coupe un peu le rythme. Mais pour le moment c'est vachement cool. J'attends de voir vers quoi on se dirige. C'est juste pour être sûr. Non, c'est bon. Ok, bon, et ben la suite la prochaine fois.